En plus de l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de l'hôpital Kira, transféré aujourd'hui à la prison de Luyigi après avoir passé plus de 6 mois à la prison centrale de Mimba, sa défense et son frère sont actuellement sous les verrous. Dans un point de presse animé ce jeudi 29 septembre, le procureur général de la République les accuse d'entraver l'instruction du dossier sur le docteur Christophe Sahabo et de déstabiliser le fonctionnement de l'hôpital Kira. Le parquet de Mouha a ouvert un dossier RMP 7142-CN dans lequel les auteurs de ce document sont poursuivis, certains d'entre eux ayant été placés sous mandat d'arrêt provisoire, dont un est un avocat répondant au nom de Sandra Ndayizeye, lequel a joué un rôle clé dans la confection de ce procès verbal fictif. À propos des poursuites contre ce dernier, le ministère public voudrait apporter une clarification afin de couper court à la désinformation et aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté parce qu'il défend le docteur Sahab Christophe, poursuivi dans le dossier RMP 670-CN Sihocité. Nous voudrions rappeler qu'un avocat est avant tout un citoyen qui est soumis aux lois. Maître Sandra Ndayizeye et consorts sont poursuivis pour les faits infractionnels tiro relatés et non pour avoir assuré la défense du docteur Sahab Christophe. L'enquête du ministère public a révélé que les auteurs de ce document avaient les objectifs suivants. L'entrave de l'instruction du dossier RMP 670-CN opposant le ministère public au docteur Sahab Christophe, poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, ainsi que pour des infractions en rapport avec la constitution des sociétés, le fonctionnement des sociétés. 2. La déstabilisation du fonctionnement de l'hôpital Kira en entretenant la confusion au sein de ses partenaires sur les organes légaux de cet hôpital. Le ministère public indique que c'est sur les plaintes du président ad intérim du conseil d'administration de l'hôpital Kira que le parquet général de la République a ouvert ce dossier inculpant la défense et le frère du docteur Sahabo.